Bonsoir à tous, bienvenue pour un entraînement HIIT. Qu'est-ce que le HIIT? C'est un entraînement fractionné à haute intensité dont l'objectif est de travailler la vitesse et l'agilité. C'est un entraînement difficile, 30 minutes d'effort, 5 chansons de travail. Pour vous aider aujourd'hui, vous accompagner dans cet entraînement, il y a beaucoup d'options, donc n'hésitez pas à les prendre, n'hésitez pas à vous arrêter et à revenir aussi souvent que nécessaire. Dans ces 5 chansons d'effort, la chanson numéro 2, c'est la chanson qui va durer le plus de temps. Restez avec moi, restez connectés et je vais vous challenger sur les 30 dernières secondes de chaque bloc. Dès que vous êtes prêts, poussez le canapé, poussez tout ce qui pourrait vous gêner et venez avec moi pour partager cet entraînement HIIT. Let's go pour la musique, prenez place, on va passer un super moment ensemble. Allez, on commence à courir sur place. Course la longue fesse, détendez le haut du corps. Et essayez de vous pointer la fesse avec vos talons. Laissez sur la lame de pied, les épaules vers l'arrière et la poitrine haute. Pendant cet échauffement, on va essayer de faire monter le cœur à 70% de son maximum. Ok, mouvement numéro 2, course genou, droite, gauche, droite, gauche. Donc épaules vers l'arrière, hanches légèrement en avant. Placez vos genoux au-dessus des hanches. On va faire monter le cœur un tout petit peu plus maintenant. Est-ce que vous êtes prêts pour ça? La suite, squat burpee. Venez. Donc vous avez un squat, une planche, un squat, un léger jump. Pensez à contracter vos abdos. Maintenant au sol, on passe en pompe. Donc, épaules au-dessus des poignets, coude vers l'extérieur. Amenez la poitrine tranquillement à la hauteur de vos coudes, sur les genoux ou sur la pointe des pieds. Debout, on continue avec les fentes. Un grand et long pas en arrière. Vos épaules au-dessus de vos hanches. Poids du corps sur le talonnage en avant. Il commence à faire bon dans le corps. Hein. Vous êtes prêts pour la suite? Variation explosive de ce mouvement. Fente pliométrique. Angle droit au niveau des deux genoux. Le genou arrière descend vers le sol. Le genou avant au-dessus de votre cheville. Nouveau mouvement. Regardez ça. Pied large, chassez. Touchez. Chassez. Touchez le sol. Donc vissez les rotules vers l'extérieur et gardez la poitrine haute. Allez, accélère un tout petit peu. Et si ça va plus fort, c'est normal. Ok, bienvenue dans la chanson numéro 2. 12 minutes d'effort. 6 blocs, 1 minute 30 par bloc. Dans chaque bloc d'une minute 30, 3 exercices de 30 secondes. Le premier et le deuxième exercice sont différents. Et le troisième exercice, c'est une variante explosive du premier. Je vous montre la première combinaison. Main vers le ciel, petit pas latéraux. Et fente avec un jump avant. 5, 4, 3. Donc installez-vous, placez vos mains, hanches en arrière, chassez, fente et jump. 4 fois du même côté. Chassez. Fente et jump. Poussez sur la jambe avant. Trente secondes. Option sans impact. Et petit déplacement. 3, 2, ok, deuxième mouvement. La planche grenouille.
vous ramenez les genoux à 90 degrés, épaules au-dessus des poignets. Essayez de garder les hanches basses, option. En HIIT, vous prenez l'option qui vous convient, mais travaillez aussi dur que possible sur chaque exercice. Vérifiez que vos épaules restent au-dessus de vos poignets. 3, 2, 1. Ok, 3. Variante explosive. 4 power lunge. Chassez. 4 lunge. Option. Sans les sauts. Là, vous allez recruter plus de fibres musculaires. Affinez votre silhouette et devenir en forme plus rapidement. 2, 1. Ok. Un bloc de fait. Bloc numéro 2. Même principe. Exercice numéro 1. Une pompe. Ici. Large d'un côté, serré de l'autre. Donc commencez au sol, à genoux, à quatre pattes ou sur la pointe des pieds. 5, 4, 3, 2, 1. Donc regardez ça. Un coup de pas vers l'extérieur, un coup de se diriger vers les côtes. Même variante. Avec les genoux au sol. Amenez la poitrine à l'auteur des coudes à chaque fois que vous descendez. Quelques secondes. 3. Debout. 2. Nouveau mouvement. 1. Course avant, course arrière. Ici. Course arrière. Puis genoux sur place. Course avant. Puis genoux. Course arrière. Puis genoux. Sur la course, genoux haut. Amenez les genoux au-dessus des hanches. Si vous débutez en HIIT, course avant et course sur place. 3. Au sol, 2, nouveau mouvement. 1. Regardez. Genoux côté, pompe. Genoux côté, pompe. Vous amenez les genoux en direction du coude opposé. Décrivez votre condition physique. Plus vous travaillez dur, plus vous brûlez de calories pendant la séance, mais après la séance. 1. Ok. Troisième bloc. On regarde le même principe. 8 genoux haut et 4 sauts à ski. Mouvement 1. On y va. 5, 4. Levez la poitrine, progressez-vous. 2. 8 genoux côté. Ici. 4 ski jump. 8 genoux. 4 ski jump. Option, petite course latérale, 4 squats. Restez léger sur la balle de pied. Regardez la suite. 3, climber, 2, croisé, droite et gauche. Vous pouvez essayer de ralentir. Ou bien de rester du même côté en posant le genou au sol. Épaule au-dessus, épaule là. En face, le regard droit devant vous. Petite astuce du coach, poussez sur la tranche extérieure de la barre et contractez vos fesses pour stabiliser les hanches. Ok, on reprend. 8 genoux. 4 sauts coupés. Option, revenez sur les squats. Three, two, one. Ok. Même principe. On reprend tout depuis le début. Vous connaissez les exercices. On va jouer sur la vitesse maintenant. Vous vous rappelez, main haut,
garder les pieds largement espacés. Protégez vos genoux, restez sur la balle de pied et effleurez le sol avec les talons. Au sol. La planche grenouille. Rappelez-vous, la règle, angle droit au niveau des genoux. Chutez vers l'arrière. Poussez dans vos pommes de main et contractez vos abdos pour ramener aussi vite que possible les genoux vers vous. 3, 2, 1. Ok, on reprend. Chassez. 4 par en lunge. Chassez. Focus maintenant sur la vitesse. Allez, arrachez-vous sur quelques secondes. Hop hop. 3, 2, 1. Ok. Bloc numéro 5. On va reprendre avec les pompes. Une pompe poitrine, une pompe triceps en même temps. Donc commencez au sol. Prêt ? Placez les mains à l'extérieur de vos épaules. 2, 1. Donc un coude à l'extérieur, un coude à l'intérieur. Mouvement global. Rappelez-vous. Restez avec moi. Debout. 3, 2, course avant. 1. Les genoux. Course arrière. Puis genoux. Maintenant, petit challenge. Sprint aussi vite que possible. Au sol. 3, 2, 1. Regardez. Genoux. Pompe. Genoux. Pompe. Sur les pompes, coude vers l'extérieur. Sur les genoux, à hauteur de vos coudes. Rappelez-vous. Sur les pompes, posez les genoux. 3. 2, 1. Sixième et dernier bloc. 1 minute 30 pour terminer ce morceau numéro 2. Augmentez un peu plus votre fréquence cardiaque. Augmentez votre métabolisme de base. Augmentez votre corps à optimiser la faculté à brûler plus de graisse après les séances d'entraînement. 3, 2, 1. Et 4 jumps. 8. Et 4. Sur les genoux. Épaules vers l'arrière. Hanche en avant. Sur les jumps. Hanche en arrière. Balle de pied. On reste sur une piste bleue. Easy. 3, 2, 1. Au sol, un peu de grenade. Plus de vitesse. Approchez-vous au son de ma voix. 15 secondes pour vous challenger. Stop. La suite. 3, 8 genoux, 2, 4 sous coupés. La piste elle a changé de couleur. Hein.
2, 1. Ok. J'ai une bonne nouvelle. La moitié de l'entraînement est passée. Chanson numéro 3. Tabata. Travail à effort max. Nous allons avoir 9 rounds d'entraînement. 20 secondes pour le maximum de vitesse. 10 secondes, le break. Mouvement 1, burpee surfer. Regardez. Nous avons un squat, une planche, un squat, un twist. Are you ready? C'est la petite seconde dance. Are you ready? Ok, 20 secondes. Go. Rajoute un squat. Ok. Mouvement 2. Marche de l'ours. Diagonale. Regardez. Les muscles les hanches. Nous avançons. Nous reculons. Et comme moi. Dernier mouvement, chassez toucher le sol, hanche basse, fesse au-dessus des genoux, chassez toucher le sol. Planche, pont, option, genou,
Pont, planche. Pont, planche. Pieds serrés pour la stabilité. Three, two, one. Go! Même principe, deux nouvelles séquences de travail. Premier exercice. 1, 1, 1, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Un tuck fessier, 8 genoux. 1, un tuck fessier, 8 genoux. Là, presse, genou haut. Three, two, au sol. One. Planche, d'un peu large. Bien. La moitié est passée. La moitié est à venir. On reprend. Deux sauts larges. 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2. Ambiance un peu plus samouraï. Au sol, pompe étoile. Dernier bloc. 1 minute. Un saut groupé large. Un tuck fessier. 8 genoux. 4, 3, 2, 1. Three, two, one. Option. Finissez comme vous devez le dire. Tant que vous pouvez continuer, ne vous arrêtez pas. Oh oh! Chanson 5! Time to burpee challenge! On reprend les bonnes habitudes. 6 rounds. Un bip qui va s'accélérer toutes les 20 secondes. Le nombre de reps va croître de 1 après chaque round. Deux mouvements au choix. Squat burpee ou burpee complet. C'est simple, mais c'est super efficace. Ready, stop.
les bons. One burpee. Option. Squat planche, squat jump. Vous y êtes. La passion, la folie vous a mis jusqu'ici. Pour terminer, il va falloir avoir du cœur et des jambes. Sur les abdominaux. Donc prenez le temps de vous mettre en place. Trouvez n'importe quel objet pour vous placer dessus, un canapé, un lit ou une serviette pour l'affaire. Allongez-vous sur le dos. Placez vos deux pieds au sol, sur les talons. Placez les mains au niveau des tambours des oreilles. Et montez aussi pour les genoux lentement. Encore. Même mouvement. Trois petits en haut. Et on repart. Ramenez le col. À tout moment, décollez simplement les omoplates. On va ralentir un petit peu. 1, 2, 3, on redescend. Maintenant, on va ralentir. Sentez l'engagement du front. Lent vers le bas. À nouveau, lent vers le haut. On reprend. Trois petits en haut. Et vite sur le sol. 3, 2, 1. On souffle. 3, 2, 1. Et on ouvre. On serre. On serre. On serre. Et on ouvre. La dernière. Ok, dernier passage. On reprend plus lentement. Oh oh. Ça commence à vous mêler sérieusement dans les abdominaux. On va ralentir la montée sur 3 temps. 3, 2, 1, au sol. Super, super lent. Lent, lent vers le bas.
Blanc vers le haut. Blanc vers le bas. Nouveau challenge. 3 plus. 13. Et allongé. On serre, on serre, on serre et on allonge. Et. Ok. Le focus maintenant le centre du corps. Position maintenant avant-bras au sol. Doigts relâchés. Pieds serrés. Contractez vos cuisses. Et serrez vos fesses. Nous cherchons un maximum de stabilité. Et mettez une tension sous les aisselles. Allez au plus profond de cet entraînement. Il nous reste 15 secondes. Dès demain à 18h. En attendant, prenez soin de vous. Merci pour votre entraînement. À très bientôt.